Et tout le monde. Salut. Ouais, c'est du jamais vu. Regardez comment elle est petite là, c'est une dinguerie. La famille, aujourd'hui, on va tester un kebab très particulier en plein Paris. C'est Myriam, elle m'a dit, Kibiki, tu viens, on fait une vidéo, je vais te faire tester des trucs vegan. Ça me fout la haine. Voilà, je vous dis la vérité. Vas-y. Bon, allez, vas-y, on se dirige au restaurant, on va voir tout ça. Et mettez des pouces bleus, des likes, c'est le multiverse de Kibiki, on continue à faire des features. Tu m'as emmené dans un fast-food. Ouais. Franchement, de base, je serais pas allé. Je vous dis la vérité, vegan, qui font des kebabs, des burgers vegan, franchement. Je vais dire la vérité. Moi je dis la vérité. Je sais pas, peut-être ça va être bon, peut-être ça va pas être bon. Vous connaissez votre préféré, je dis toujours la vérité. Si j'aime bien ou j'aime pas, je vais dire la vérité. Je suis le gérant du restaurant Moyado depuis son ouverture, depuis juin 2022. Et le Moyado, c'est quoi? C'est un environnement, une structure et une expérience unique. Si j'ai bien compris, du coup, c'est le rappeur Dossé qui a fait... Il a participé au restaurant, ouais. Ils sont trois exactement. Ils sont trois, d'accord. Voilà, parce que Moyado, ça veut dire bien manger. Au Mexique, ils ont ramené un peu le nom, mais il y a aussi les initiales des fondateurs dedans. Vous avez Mohamed, Yacine et Dossé. Voilà. Ces trois fondateurs ont travaillé pendant pratiquement 2 ans sur les recettes. Et est-ce que vous savez pourquoi ils ont voulu créer Moyado? Pour le bien-être. Il y avait une envie de bien faire sur de la restauration. Les trois fondateurs sont végétariens, végans? Non, non. Ils ont vraiment pratiquement à 90% arrêté la viande. Donc moi aussi, vous voyez, je suis pas encore vegan. Je suis en train de prendre le chemin. Comme vous voyez sur le shop, ce n'est pas écrit que c'est vegan. En tout petit, c'est écrit en tout en bas. Vous passez, vous demandez un kebab, on vous donne le kebab. Vous nous demandez si c'est halal, oui c'est halal parce que c'est vegan. La clientèle qui vient, elle est vegan et non vegan. Les vegans, ils trouvent le chemin avec toutes les cartes qui existent. Les touristes, ils viennent. Parce qu'ils savent que sur cette place-là, il y a un restaurant vegan. Oui, il y en aura d'autres, des Moyados. J'espère, ouais. L'année prochaine, si tout va bien. Ben, merci. Salut tout le monde, c'est Kibiki. Donc on se retrouve avec Kibiki qui a accepté de goûter. Accepté les gars, mais faut pas oublier, je suis venu, alors j'ai pris une amende de la SNCF. Je tiens à le dire, je suis arrivé 1h30 en retard. Et normalement, j'accepte jamais les tournages parce que je suis un homme pris par le temps, la vie et l'espoir. Et pourquoi t'as accepté alors? Non, parce que en vrai, je m'ouvre au fit. En ce moment, c'est le multiverse, les amis. Je fais des vidéos avec tout le monde. C'est la première fois que je fais une vidéo avec une femme en plus. Ah ouais, ouais. Je m'ouvre à tout. À tout univers. À tout l'univers. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de youtubeuses food en vrai aussi. Non, c'est vrai, il y en a très peu. Beaucoup. Et youtubeuses vegan, végétarien. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai accepté ce tournage en vrai. non, je vais me barrer. Il est à fond dans le fast food. Faut me laisser tranquille, laisse-moi manger de la viande. C'est quoi, c'est. En vrai, je rigole, mais j'ai mon papa qui est végétarien. Et du coup, là, c'est cool parce qu'on est parti dans un fast food qui fait uniquement des trucs vegan et en plus c'est des trucs qui me ressemblent parce qu'on est sur du burger, du kebab et tout, franchement ça va être pas mal. Franchement j'en attends beaucoup. Moi j'en attends rien du tout. De toute façon, j'ai pas payé, c'est pas ma vidéo, je peux critiquer. Vous allez voir, nous ici, y a pas de. Non, j'en ai rien à faire. T'as raison, tu dis ce que tu penses. Ouais, j'ai le droit. La vérité, ouais, c'est vrai. T'es mon assistant dans cette vidéo, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit sac? Bon, déjà, on a frites normales, base, quoi. C'est bien bladé en vrai, hein, je trouve. Hein. Ouais, franchement, il a bien servi. Niveau quantité, c'est vraiment pas mal. Oh. Patates douces, les gars. T'as vu comment elles sont énormes, elles sont super fortes en plus. Ouais. Magnifique. Ensuite, on a le burger. Le burger. Est-ce que tu nous fais voir un unboxing du burger? Oh, purée, c'est. Alors, je m'attendais pas à un truc aussi blindé. Oh. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Je sais pas c'est quoi la recette. Donc, on voit les petits pickles. Ouais, il y a des oignons caramélisés. Le cheddar aussi, j'ai l'impression, est vegan du coup. Ouais, tout est vegan en fait, vraiment tout. On le voit quand même à la couleur, hein. Ça fait pas cheddar. En fait, c'est leur sauce qu'ils font maison. D'accord. Et ils m'expliquaient que tous les 2 jours, ils font leur sauce. D'accord. Un petit kebab, les gars. Kebab végétarien là aussi. Là. Kebab vegan. Moi, franchement, je suis pas très kebab de base. Hein. Ah bon? Non. Mais moi, c'est toute ma vie. Ah, il est balèze, hein? Ah, c'est... ok, ça a l'air. Ah ouais, franchement. Est-ce qu'il a blindé pour la vidéo? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes servi pareil? Je ne sais pas. Je l'espère en tout cas. Oh, pas mal. 3 sauces fait maison. Bon, on va les tester avec les frites directement, ce sera sympa. Ouais, nuggets végétal. Oh, pas mal ça. Attends, mais on n'a pas de chiné en fait. Quoi, je fais des chines, moi? Ouais. Pas mal ça, hein. C'est ce que j'allais dire, pareil, hyper bon, ça, la menthe. Ah, le petit focus, ça, c'est vraiment un youtubeur. De ouf. C'est vraiment on a eu le même geste en même temps, quoi. Oh putain, c'est super bon. C'est bon, hein. C'est bon, mais c'est pas sucré du tout. Même pas une calorie sur... Ouais, mais c'est fait exprès, je crois. Hein. Ah ouais, c'est fait exprès. Moi, j'aime beaucoup, c'est sympa, c'est un peu, ça ressemble un peu au Volvic que vous pouvez retrouver un peu partout. Viens, on fait les nuggets. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ces nuggets? La petite nugget. La sauce, elle est trop bonne. C'est à quoi la sauce du coup? Je crois que c'est de la sauce Cajun. Cajun! Dédicace à ceux qui ont testé Popeyes. Moi j'ai pas pu tester du coup. Alors la petite sauce. Bon, déjà, bon, ça a pas l'odeur de nuggets, ça a une odeur de friture. La texture elle est dure.
La sauce elle est un peu relevée, j'aime beaucoup. Par contre, je suis agréablement surpris par les nuggets, je m'attendais pas à ça. Je vais goûter tout ça parce que c'est la sauce qui m'a les yeux bandés. Je pense que tu peux pas reconnaître si c'est vegan ou pas. C'est très très bon, je suis agréablement surpris. C'est super bon, franchement 8 sur 10, j'ai adoré. Pourquoi 8? Parce que aussi, tu crois 10 c'est... Bah oui. 10 c'est pas vegan quand c'est 10, je suis désolé. La panure elle est bonne aussi, tu vois. Bah, t'as vraiment l'impression d'avoir une texture de poulet. Aha. Mais il y a un problème quand on mange vegan. Arrête. Parce que non, moi je casse les tabous, moi je dis la vérité. Le problème des trucs vegan c'est qu'il y a trop de fibres. Et comme c'est trop fibreux, après les toilettes c'est dur. On va pas se mentir, c'est... Mais tu sais que... Il m'a dit, Christophe. Pourquoi? Il m'a dit qu'il est nutritionniste, il conseille aux sportifs de manger vegan. Ah ouais? Je te jure. Manger vegan, mais peut-être ne pas manger dans les fast-food vegan alors. Parce que les fast-food vegan, ils mettent vraiment trop de fibres. Nous, à chaque fois qu'on a testé en vidéo... Ah, bah tu verras après celui-là. On verra, ouais. Ah, je viens de goûter les frites de patates. Ouais, c'est ça, j'ai vu, tu m'as même pas invité. Allez, les gars, les frites de patates, elles sont énormes. Elles sont bonnes. Maison. Elles sont bonnes. Elles sont un peu froides parce qu'on a mis du temps, mais... J'adore les frites de patates douces. Moi, je trouve que c'est vraiment la folie. Ça. Ah. Bon, c'est vrai que c'est dommage que c'est un peu froid. C'est croustillante, hein. Y a pas la sauce, par contre. Viens, on essaie de deviner. Moi, j'aime pas du tout, de toute façon. Y a de l'ail. Y a beaucoup trop d'ail, moi, je trouve. Et même, t'as un date, c'est chaud. Ouais, par contre, ça a plus de... plus de la... C'est très bon, hein. Ouais. J'en tape dedans. Normal, est-ce que c'est nécessaire qu'on les goûte? Oui. Malade ou quoi? C'est pour voir si ils suivaient. Je pense pas que c'est des frites maison, hein. Ça, c'est. Tu les retrouves souvent dans les fast-food. Ouais, y a toujours des hélicoptères, en fait. C'est moi. C'est ma routine, elles sont très bonnes. Après, c'est... Elles sont pas faites maison, non. Elles sont pas faites maison. Tiens, il y a une autre sauce. Celle-là va être bonne. Mais je crois que c'est celle-ci, la cajun, en fait. Hein. Je pense aussi. Oui, les amis Kiwiki mangent toujours comme un gros, hein. C'est comme ça, vous avez l'habitude. Oh, oh, oh. Oh, c'est bon, ça. Oh, j'adore. Alors là, c'est un gros mélange d'épices. Ça pique un peu à l'arrière. J'aime beaucoup, hein. C'est la meilleure sauce, je trouve. C'est cajun ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Franchement, tu me donnes que ça, c'est bon, je suis content, je suis heureux. Tu manges tout ou... Moi, je mange beaucoup, ouais. Tu vois, genre, c'est pas fait maison. Non. Mais je pense que la sauce, elle fait tout, quoi. Quand tu vas voir les plans que je te prends, tu vas dire purée, Kibiki, il a raison. En fait, les gars, Kibiki veut absolument que je finisse à l'iPhone maintenant. Je comprends pas, les amis, j'ai fait des millions de vues avec un iPhone. J'ai acheté des réflexes, j'ai acheté tout, j'ai fait le mec. Ça sert à rien, le plus important, c'est que vous voyez ce qu'on mange. Des plans comme ça, dites-lui dans les commentaires. Myriam, Kibiki a raison, on aime bien te voir comme ça, ça bouge. Ah bah franchement, c'est super bon. Et ça se sent que c'est fait maison. Ah, c'est ce que j'ai dit, quoi. Il y a plein. Et moi, ma préférée, c'est l'autre. La première? Ouais. Ok. C'est ma préférée. En fait, moi, je pense que même ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande, je sais plus quoi. Ouais, c'est pour ça aussi. En fait, moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui, en tout cas sur un menu, quand il veut manger vegan. Ça va être plus cher, il va devoir en plus se déplacer dans des trucs comme ça et moi je trouve ça archi relou. Je crois que c'était 11 ou 12 euros le burger, je crois, un truc comme ça. Tu vois, c'est plus cher qu'un McDo quoi. Maintenant, McDo, tu payes 12 balles quoi, enfin... Oui, c'est comme tu dis, ça envoie de... Là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, c'était pas ça. Quand je vais au fast-food et que je veux faire avec ma famille ou quand je vais dans un restaurant avec ma famille, on est obligé de manger végétarien pour mon papa. Le menu qui coûte le plus cher, c'est souvent le menu de mon père. Mais je suis d'accord, et moi, ça me révolte. C'est pas normal. Tu sais, des salades, parfois, tu payes 16 balles. Oui. Alors, il y a rien dedans quoi. Même pas de protéines. iPhone. iPhone. Tu vois, elle est pas concentrée. Kibiki, merci, enfin, on voit ce qu'elle fait. Oh là 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 là, purée. Les bonnes idées de Kibiki quand même. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas ça mal. Ça a l'air pas mal. Regarde un petit peu avec la sauce et tout là. Oh là là, ça déborde. Ça a l'air un peu fluffy, hein. Mmh. Vas-y, tu sais quoi, je te laisse taper un croc comme ça. T'as l'air déçu, dis la vérité. Un peu déçu, ouais. En 3 secondes, je l'ai crapé. Non, mais tu sais pourquoi? Je sais pas, il manque un truc. Ouais, je trouve ça simple. Simple, ouais. Par contre, la viande, elle est... Enfin, la viande, elle est très bonne. Okay. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis pas très fausse viande. Ouais. Et là, je kiffe, pour le coup. Ok. Vraiment. Kibiki, le seul et l'unique. Toujours debout, parce que c'est important. Alors, regardez un petit peu. La viande est un peu rouge, hein. Enfin, oui, regarde un petit peu. Ok. Toute seule, vraiment, ça a pas du tout le goût de viande, hein. Non. Mais je pense qu'avec le tout, peut-être. Moi, je trouve que le meilleur en vegan, c'est les poulets. Je trouve que l'imitation de poulet est mieux que l'imitation de la viande. Mmh. C'est un burger très simple. Et c'est vrai que quand tu manges le tout, t'as quand même l'impression de manger de la viande. Je trouve pas ça aussi ressemblant que les nuggets, je vais pas vous mentir. C'est bon. Franchement, c'est bon. C'est bon. Un peu la texture de la viande. C'est ça. Ça a pas trop le goût, mais ça a la texture. Le pain est bon. La sauce est bonne. Ça manque peut-être un peu plus de... Peut-être un peu plus de fromage, un peu... Une petite surprise. Hop là. Franchement, c'est sympa. 7 sur 10. Tu le manges, t'es content. Hein.
je mets à la place d'un vegan qui veut pas manger de burger souvent ou un truc comme ça, c'est un bon petit plaisir. Ok. Franchement, je valide, ça va. Il valide. Wow. Kimiki qui valide. Moi, sans, j'aime pas. Avec le tout, c'est très bon. Moi, j'ai une question. Dis-moi. En fait, avant que tu arrives, j'ai demandé à mes abonnés s'ils avaient des questions pour toi. Ah ouais? Alors, déjà, pourquoi Kibiki? Parce que quand j'étais petit, j'avais créé un manga. J'étais en CM1, je m'en rappelle. Et sur Warpad, j'écrivais un manga. Et le personnage principal, il s'appelait Kibiki. Depuis CM1, du coup, c'est mon. Non, CE2, je crois. C'est mon pseudo. Et du coup, je les ai imprimés. Et j'ai donné à ma prof et j'ai donné aux gens de la classe. Et la prof, elle me disait, ouais, t'écris vraiment trop mal. Tu as la raison, hein. Je fais des fautes d'orthographe partout, les gars. C'est mon plus grand défaut. Est-ce que tes abonnés savent comment tu t'appelles? Non. Mais c'est, aujourd'hui, c'est facile de trouver comment je m'appelle. Ouais, si tu cherches bien maintenant, c'est facile vu que bah. Je paye mes impôts en France, les amis, du coup, c'est facile de savoir comment je m'appelle. Mais j'aime bien ne pas le dire. Tu vas pas le dire là? Non, je dirais pas. Mais c'est trop stylé d'avoir une petite identité secrète un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais personne m'appelle par mon prénom. Mes parents, et encore même mes parents, tu sais, ils m'appellent pas. Pas mon prénom. Ou mon père quand il s'énerve. Mon frère m'appelle pas pour mon prénom. Mes amis proches m'appellent pas pour mon prénom. Enfin, ils appellent tous Kibiki. Tout le monde appelle Kibiki, ouais. Mmh. Après c'est normal, j'ai vraiment ce pseudo depuis que je suis tout petit, avant même internet. C'est Kibiki. Le secret de Kibiki. Tu l'as déjà dit sur ta chaîne ça? Mon prénom? Non. Oui, le savent. Attends, t'es sur YouTube? Je fais des vidéos depuis 10 ans. Wow. Et je suis régulier depuis, on va dire, 6. Et ça marche vraiment que depuis 2 ans et demi, 3 ans, tu vois. C'est ouf en vrai. Tu travailles et tu tournes ta roue de la chance. Jusqu'à temps que la roue de la chance a dit, bah frérot, c'est à ton tour. Et il faut persévérer, hein, parce que si tu lâches. C'est dur internet. Les gens se rendent pas compte, c'est un peu dur. Mais après, c'est le plus beau métier au monde, tu vois. Genre là, franchement, je suis trop content. Là, on est pas bien là. Ah oui. Non, en plus, on est dans la nature, les gars. Voilà, c'est ça. On est pour mes origines indiennes. Et puis même, c'est de la confiance en toi. Regarde, là, si on filme, regarde pas ton iPhone. Ouais, j'avoue, il y a plein de gens autour. Il y a plein de gens, et genre, j'en ai rien à foutre. Regardez là, comment on filme. Par exemple, là, c'est le trépied. Et là, regardez, mais genre, regardez par ici, genre, il y a du monde qui nous regarde et tout, mais on s'en fout. Voilà, ça développe une confiance en toi, des compétences que tu pourrais peut-être pas avoir. Et non, c'est Internet, c'est bien. Il y a plein de points positifs, ça te fait des rencontres, ça c'est plein de choses. Non, franchement, c'est bien si un jour vous avez envie de lancer, surtout avec TikTok et tout. Moi, je vous conseillerais pas d'être youtubeur au début. C'est un peu dur du budget aujourd'hui, je pense, aujourd'hui pour non, YouTube. Mais moi, je suis pas d'accord, tu vois. Moi, je pense que le mieux, c'est TikTok. Perso, je préfère la plateforme YouTube. Mais si tu veux réussir, faut le format aller. Court. T'as raison. T'es obligé de faire du format court. Moi, si ça marche, c'est parce que je fais du format court aussi. T'as raison. Parce que je fais pas assez, par exemple. Oui. Il va devenir mon coach, les gars, je vous le dis. Non, mais moi, c'est une fin de carrière que j'aimerais bien, moi. iPhone. La iPhone. Voilà. Oh ah, par contre, tu as vraiment un kebab dingue. Oh, c'est ouf. Ah par contre dinguerie hein. Ah ouais. C'est beau. C'est super beau. Attends, tu sais quoi, je vais te donner ça, comme ça tu vas pas te tâcher. Vas-y. Et ben, je viens de me tâcher. Regardez la quantité, c'est dingue. Ah oh, c'est ouf là. Ah ouais. Ah oh, je préfère lui que le burger. Franchement, la texture de la fausse viande, elle est trop bien. Elle est pas caoutchouteuse, tu vois, c'est pas élastique, c'est pas dégueu quoi. Validé. Déjà la première des choses, c'est important, c'est regarder un petit peu. Là, vraiment, sur les lamelles, t'as vraiment l'impression d'avoir un kebab, hein. Ouais, c'est ouf. Bon, à l'odeur, ça sent les légumes, par contre. Les légumes un peu grillés. Oh. Oh, purée. C'est ouf, hein. Ah non, par contre, là, je suis choqué. J'en ai mangé des kebabs dans ma vie, mais là, c'est super bon. Vraiment, t'as vraiment l'impression de manger de la viande de kebab. C'est très, très bon. Bon, j'ai tapé un croc, mais alors là, je suis agréablement surpris. On sent peut-être un peu de pois chiche. Non, même pas, c'est les épices. Choqué. Vraiment, c'est impossible de savoir. Si tu manges un kebab ou non. Je suis choqué. Je vous dis la vérité, hein, le burger, c'était pas le truc le plus dingue qu'on a mangé. Bon, je sais pas comment ils ont fait. Vraiment, je suis choqué. Hein. C'est très bon, c'est très frais. T'as vraiment ces textures de viande. Et t'as la même sensation qu'un kebab où tu sais, t'as plein de viande qui arrive d'un coup. Où ça te calme, ça fait du bien. Franchement, j'adore. Moi, c'est 10 sur 10. Franchement, là-dessus, wow, bravo les gars. Bravo. C'est beau. Voilà. Là, pour un vegan qui a pas mangé de grec pendant je sais pas combien d'années, je vous dis, c'est vraiment le même goût. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il s'est appliqué ou que c'est un peu épicé, j'en sais rien. Et une autre question pour Kibiki. Oui. On me demande, est-ce que t'as une copine? C'est secret, ça, maintenant. Oh. Je ne dirai plus ça. Pourquoi? Je suis exposé sur Internet avec ma copine pendant des années. La vie a fait que on s'est séparés. Du coup, c'était un peu compliqué à vivre. Les gens, ils comprennent pas. Forcément, les gens sont super curieux, donc ils veulent savoir pourquoi. Dans chacune de mes vidéos, j'ai toujours au moins un commentaire en mode elle est où, tu vois. Je regrette pas de l'avoir fait. Parce que ça faisait déjà super longtemps qu'on était ensemble, c'est 7 ans ensemble, donc enfin 6 ans ensemble. Ah quand même. Puis non, je pense que là-dessus ce sera toujours privé, je ne dirai pas en public et tu vois ça regarde personne en fait. T'as raison. C'est une erreur que j'ai fait, mais c'est pas une erreur que je regrette. Mmh. Parce que c'est quand même des souvenirs, c'est quand même des vidéos qui ont plu, je peux pas revenir en arrière. Mais ça m'a appris une leçon, il y a des choses qu'il faut pas exposer, la vie privée.
je pense qu'il faut que je continue à la garder privée. Ouais. Ouais. Si vous me voyez avec une meuf dehors, bah peut-être que oui, mais peut-être que non, peut-être que non aussi. Moi j'ai une question, comment tu le vis ça, le fait de rencontrer des filles et tout? Est-ce que t'as pas peur que ce soit par rapport à ce que tu fais, ce que tu es? Ah c'est dur, hein. J'essaie de le cacher le plus possible. Ah ouais? Ouais, mais tu te fais griller. Genre ouais. J'ai déjà eu des dettes avec des meufs et je me fais reconnaître au restaurant, des trucs comme ça, ça m'arrive. Tu vois, c'est... Ah ouais. Mais après c'est bien les gars, la femme ici, vous voyez que je suis avec une meuf, venez demander une photo, tu gagnes des points directs, t'allais choquer. Mais ça m'est arrivé une fois, le rêve de star. Mais je suis pas une superstar non plus, hein, tu vois. Non, mais c'est vrai que voilà, t'as quand même pas mal d'abonnés, on peut te reconnaître facilement, je pense. Moi, on me reconnaît alors que j'ai 18K, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc toi, j'imagine même pas. Ça fait plus peur qu'autre chose à la fille qu'à moi. Bien sûr, c'est normal. Parce que se font des films directs. Tu me les envoies sur Discord. Discord? Je sais pas, mais. Je sais pas, Discord. Oh là là, c'est une... Ça fait pas bosser, les femmes, non? Ça, c'est le moment misogyne de Kiviki. Ah, je suis pas Discord, les gars, moi. Kiviki? Ouais. Fais la danse de l'abonné, s'il te plaît. J'aurais essayé. Mon conclusion. Ouais, mais je suis. Abonnez-vous, venez sur ma chaîne, les frères. Enfin, les sœurs. Les fololos de Mimi. Voilà. Diary. Venez. Eh, franchement, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Mention spéciale au kebab qui était vraiment, vraiment cool, franchement. Oui, ado. Genre, les lames, comment elles étaient faites avec les petites épices. Moi, j'ai adoré. Et du coup, c'était cool. Ouais. Bonne découverte. Mal au ventre ce soir, je te le mettrai en commentaire. Comme ça, je vous dis la vérité hein, sur les fast-food vegan. Parce que moi, j'ai souvent coup, mal au ventre. Mais du coup, là. Toi qui en as déjà mangé et qui mange beaucoup de fast-food, tu le catégorises de, parmi un bah, des meilleurs ou non, pas? Non, non, c'est pas un des meilleurs. Non, bah non. Non, les fast-food à la viande sont quand même meilleurs, je suis désolé. Quelqu'un qui peut plus en manger, ça lui permet de faire son petit kiff, c'est pas mal et on va vers le bon chemin. Voilà, on va sur le bon chemin mais c'est pas non plus une dinguerie, tu vois. Franchement, en tout cas, merci Kiviki d'avoir participé avec plaisir. À ma chaîne. Et je suis contente que tu sois rentré un petit peu dans mon univers. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, je me barre de ton univers, ça m'a. C'est bon. Ça, c'était une fois pas deux. C'était, voilà, c'est bien. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, à ma chaîne. Si vous avez envie de voir les trucs Eco Plus de Myriam, bah, vous avez juste à cliquer juste ici.